rouler à vélo. Ça va? On digère? Respire un grand coup. Ok, on roule à vélo. Vous pensez à quoi? Les cheveux au vent, le mur de Huy, le Tour de France, un chemin de halage le long de la Meuse. Ok, je vous dis, roulez à vélo pour aller au boulot. Là, normalement, il y a d'autres images qui apparaissent. Le casque, la veste fluo, la chasuble, la piste cyclable, sécurité routière, agressivité, danger, accident. Lorsqu'on parle du vélo, dans les médias, dans les conférences, on parle surtout de ce qui ne nous rend pas heureux à vélo. Et pourtant, on est des milliers à utiliser le vélo au quotidien, pour aller au boulot, pour conduire les enfants, et peut-être même que vous en faites partie. Dans cette salle, à mon avis, vous en faites certainement partie. Et alors, qu'est-ce qui fait que nous roulons à vélo, été comme hiver, malgré le climat belge qui se détériore de plus en plus? Qu'est-ce qui fait qu'on continue à rouler à vélo? Est-ce qu'on est des... Parfois, j'entends le mot cyclo-fasciste. Est-ce qu'on est tous des bobos écolos? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Et c'est de ça que je veux vous parler ce soir. Il y a trois raisons fondamentales qui font que le vélo, rouler à vélo, nous rend heureux. Trois petites choses dont je vais vous parler. La première raison, vous la voyez derrière moi. Il faut revenir à vos premières expériences cyclistes. Fermez les yeux, ce n'est pas une psychothérapie, mais vous pouvez fermer les yeux. Moi, je ne vous vois pas. Il était comment votre premier vélo? Rouge, bleu, noir, vert, grand, petit, d'occasion, neuf. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous étiez à vélo? Alors, ces premiers souvenirs, vous étiez sans doute enfant. Il y a des adultes qui apprennent à rouler à vélo, mais la plupart d'entre nous apprennent à rouler à vélo une fois quand on est enfant. Si vous posez la question à un enfant, pourquoi il aime rouler à vélo, ce qui le rend heureux, il vous dira « je me sens libre, je peux aller de A à B sans mes parents ». Et la vitesse, ça augmente la sensation. Et nous, on est des enfants devenus grands. Donc nous, cette sensation de liberté, sans doute que chaque fois qu'on prend notre vélo, que ce soit pour aller au boulot ou que ce soit pour pendant le week-end, on recherche ce sentiment de liberté. C'est la première raison qui fait que le vélo nous rend heureux. La deuxième raison, imaginez une journée complète, assis, face à votre ordinateur, télétravail, on est à la maison, on ne bouge pas. En fin de journée, vous vous sentez comment? Moi, je me sens comme ça, et un peu tendu aussi. Il y a une raison à ça. Ce n'est pas moi la raison, c'est le corps humain la raison. Le corps humain est conçu pour marcher 20 km par jour en moyenne. 20 km. On a les os et les muscles qu'il nous faut pour marcher en moyenne 20 km par jour. On est des machines à marcher. Alors imaginez un petit peu l'effet que ça a sur vous si vous ne marchez même pas 200 mètres par jour. 200 mètres. Revenons aux enfants. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire tenir un groupe d'enfants de 8 ans sur une chaise pendant 90 minutes, ce qui est la durée moyenne entre deux récréations en Belgique? Je dévoile la fin, ils vont péter un câble. Ils vont devoir compenser. Ils vont devoir crier, bouger, sauter. Les cours de récréation ne servent qu'à ça. Ce sont des grands lieux de décompensation. Et on ne peut pas leur en vouloir, ils sont restés assis pendant 90 minutes alors qu'ils ont besoin de bouger. Et nous, on est des enfants devenus adultes, on a également besoin de mouvement, on a besoin de bouger. Et bien ça tombe bien, parce que du mouvement à vélo, il y en a beaucoup. Une étude menée par Fietsersbond en 2019, Fietsersbond c'est l'équivalent flamand du GRAC, ils ont fait une étude selon laquelle il apparaît qu'on est à l'arrêt 10% du temps sur un trajet moyen. Ce qui veut dire que 90% du temps, on est en mouvement. Et ce mouvement, il nous fait du bien. Et c'est le mouvement, ça contribue au sentiment de bonheur à vélo. Troisième et dernière raison, c'est peut-être la plus importante et celle dont on est le moins conscient. Alors l'être humain, c'est un animal d'une espèce spéciale. C'est un animal social. Nous aimons faire partie d'une communauté, partager des trucs avec des gens. Alors, les communautés sont de plus en plus virtuelles, mais elles sont aussi réelles. Et lorsque nous sommes à vélo, nous formons brièvement, inconsciemment, une petite communauté avec les gens qui pédalent à côté de nous.
On partage quoi ? On partage le moment, on partage le lieu, on partage l'expérience. Alors Sartre disait « l'enfer, c'est les autres ». Permettez-moi de compléter le grand penseur, sauf à vélo. Alors cette communauté de cyclistes, elle a trois qualités. Elle est active, elle est visuelle, elle est verbale. Elle est active. Lorsque vous êtes à vélo, vous n'avez pas cette sensation de participer activement à la ville, d'être acteur, vous en faites partie, vous êtes dedans, vous êtes actif. Lorsque je suis au volant de ma voiture, rassurez-vous, partagée et de location, lorsque je suis au volant de ma voiture, je me sens plutôt utilisateur de la ville. J'utilise quoi ? J'utilise la route, j'utilise la place de parking, j'utilise l'air, j'utilise l'espace, je vois la ville à travers mon pare-brise, j'ai un sentiment un peu plus passif. Passif, actif, ce n'est pas tout à fait le même sentiment de bonheur qu'on ressent, soit à vélo ou en voiture. Cette communauté de cyclistes, elle est également visuelle. À vélo, on est plus haut, on a un champ de vue dégagé, et surtout, on peut échanger des simples messages du regard. Le eye contact, dans tous les cours de sécurité routière, on parle de ça. Eye contact, très, très important. Et ils ont raison, c'est très important. Et pourtant, quand je suis dans ma voiture, de location, partagée, j'ai deux obstacles. Les vitres teintées, on ne me voit pas, ou si mal. Et l'habitacle, eh bien, je vois 50% de ce que voit un cycliste, en moyenne. Les fenêtres des voitures sont de plus en plus petites. Les modèles sont de plus en plus sport et tout ça, et donc on voit de moins en moins. Alors on met des caméras, des miroirs et tout ça, mais je vois quand même 50% de ce que voit un cycliste sur son vélo. Alors qu'est-ce que je fais ? J'utilise le seul instrument qui va remplacer mes yeux quand je suis au volant, mes phares. Je peux faire des appels de phares. Mais les appels de phares, c'est ambigu. Pour l'un, ça veut dire « je vous en prie, passez ». Pour l'autre, ça veut dire « dégage, connard ». Elle est verbale, cette communauté cycliste. À vélo, on peut facilement échanger un petit mot, je vous en prie, allez-y, ok, des petits mots. Pas grand-chose. En voiture, bah, c'est nouveau le même problème. Hein. Les voitures sont de mieux en mieux insonorisées, surtout les modèles récents, c'est vraiment des salons sur roues, c'est génial, mais on n'entend rien de ce qui se passe en dehors. Et donc, pour ça, j'ouvre la fenêtre à l'ancienne. Le contact avec les voisins n'est pas évident. Alors, on devrait peut-être tous rouler les fenêtres ouvertes. D'ailleurs, en été, on entend ma petite sonnette ridicule. Hein. Et là, l'été se termine, les fenêtres vont se refermer. Donc, on utilise le seul instrument à bord d'une voiture qui remplace la parole. Le klaxon. Ou l'avertisseur sonore. Pour les Français. Mais klaxonner, c'est crier. Et crier sur quelqu'un, ça ne l'a jamais rendu heureux. Donc, si je peux résumer, le vélo combine les besoins essentiels de l'animal social que nous sommes tous. Être actif, être visuel et être verbal. Alors bien sûr, ceci n'est pas un good news show. Bien sûr, il y aura toujours des pistes cyclables foireuses, sans début, sans fin, on connaît tout ça, ou pas de pistes cyclables tout court. Il y aura toujours des cyclistes insupportables. Je respecte le feu rouge. Toi aussi, cycliste. Bien, des cyclistes insupportables. Il y aura toujours des carrefours dangereux, des situations dangereuses, des accidents et malheureusement des victimes. C'est pour ça que le GRAC et Fit Source Band ont été créés, pour justement pallier à ça. Et on les remercie du fond du cœur pour tout le travail qu'ils font. Mais cela dit, les trois raisons que j'ai évoquées aujourd'hui paraissent quand même plus fortes que les inconvénients. On continue à rouler à vélo. Les enfants continuent à rouler à vélo. Et je suis certain que lorsque nous roulons à vélo, nous voulons retrouver le petit enfant qui est en nous et retrouver le sentiment de liberté, de mouvement et ses contacts sociaux. Mesdames et messieurs, je vous souhaite beaucoup de bonheur à vélo.